Antoine Simon, cornerback numéro 6. C'est Dimitris Cash, DB numéro 1. On commence par Marcel Gillan, DB numéro 17. Okay. Jean-Baptiste Quentin, numéro 51, backer. Lugno Ritz, numéro 40, DB. Raphaël Le Versenic, numéro 9, DB. Abba Kokoli, 96, D-Line. Steve, dit Gore la Montagne, numéro 7, D-Line. Chimric, dit Le Boucher, numéro 90. Mangwayan, numéro 50, D-Line. Dira Cotton Arenosi, linebacker, numéro 25. Toun Joris, D-Line, numéro 94. Vin Plancheneau, DB, numéro 24. Henri Cabedi, numéro 70, O-Line, D-Line. À qui ferais-tu le plus confiance lors de la quatrième tentative? Oui. Jimmy et Trov. Ouais, c'est pas mal ça. Jimmy et Trov. Avec les filles qui a le moins la cote. Là, il est nul. Atroce. Jamais on l'a avec une meuf, jamais il parle de meuf, rien. Rien. D'ouf. On sait même pas si c'est Zouké. Qui est le plus en retard? Mais lui. Ouais, on l'attendait là aujourd'hui. C'était rendez-vous à 14h, il nous a dit il est à BFM. Qui est le plus danseur? Il y a beaucoup de danseurs. Il y a non. Black Bombo, il s'appelle Aski. Qui a les plus beaux contours? Qui a les pires contours? Oh, c'est moi qui ai les pires contours, bon, c'est moi, Bobby. les plus beaux contours là, de nous quatre. Non. Moi, je sors du coiffeur, il y a même pas 30 minutes. Hein. Bah ouais. Moi, ah ouais. Bon, on va dire petit homme alors. Allez, bah. Qui est le plus radin? Qui? Kevin, il met du temps à rembourser ses dettes. Et il passe pas d'argent. On rentre en plan. Le plus à l'écoute du coach. Ouais, Raphaël, beaucoup trop même. Un jour, le coach il a dit tiens ma poche, Raphaël il a tenu. Moi je l'ai croisé à l'Agora, le coach il avait fait ses courses, Raphaël il poussait le caddie. Qui a les pires mains? Joris, Joris il a des mains incroyables, il attrape les balles comme ça. Et il un crâne, des pinces. Qui est le plus gros mangeur? Joris, c'est fou, quoi, vous avez vu son corps de dinosaure? C'est Joris. Ouais, c'est pas la mâchoire. Non, c'est Joris. Il est capable de mâcher 6 heures sans s'arrêter. C'est Joris. Qui est le plus lent? Le plus lent de toute l'équipe, c'est Kokoli. Et il fait 7 secondes au 40e. 7 secondes. Qui est le plus passionné? Ouais, c'est Carlito. Ouais. Qui tape le plus fort au plaquet? Capitaine. Il a fait les questions. 402. C'est qui le plus chambreur? Darren. Que il chante toute sa vie, il chante. Non. C'est Yann et Darren. En fait, Yann c'est un gars, dès qu'il y a une perche, il va chambrer mal. Mais c'est ça, que Darren. Darren vient gratuitement. Non. Darren, on lui a rien demandé. Il est là. T'es bas. Après, les gens vont suivre, c'est ça. Darren, t'aimes trop ça? Le plus beau qui est le plus vilain? Le plus beau, moi, je sais déjà. Le plus beau, c'est Ritz. Incroyable. Non, mais attendez. Melvin Dormé. Oh, Melvin Dormé. Quand même, on tient. En fait, il y a une petite compétition, tu vois. Il y a Ritz qui est caché là-bas, qui a toujours une brochette de femme. Mais le D, lui, il est impressionnant. Il est impressionnant. Dangereux. Il est dangereux. Il a un charme fou. Un chakra. Tu vois, un petit chanteur de zouk mélangé chanteur de R&B, tu vois. C'est un bail propre. C'est le seul homme, il a plus de fesses que sa femme. Non, mais moi je suis là pour dire des vérités. Le plus vilain. Ah! Oh, Darrell. Darrell. Excusez-moi. Hein? Darrell. Ah, si tu vois, malgré le casque, on voit qu'il est vilain. Ses parents l'ont mis au football américain pour qu'il porte ce casque. Le plus beau chez lui à la naissance, c'était ses fesses. Ils sont mauvais. Il y en a qui le sachent. Non, mais moi je suis là pour dire des vérités. Qui a le plus de flow sur le terrain? Déjà les trois là. Les trois premiers. Ouais. Les trois DB, Dimitri, Kevin, Antoine. Oh là là là. Qui est le plus talentueux? Ouais, Kevin. Ouais, allez. Timus. C'est toi? Lui le meilleur DB. Hein. Ouais, c'est trop chaud. Méfiez-vous de sa taille. Belek. Hein. Qui est le plus performant en musculation? Regardez son bras. Regardez son bras. Regardez. Ouais, mais allez, regardez la salle son aussi. Corps. Qui est le plus ambianceur? Yann. Sans appel, Yann. Qui est le plus canard? On les appelle Raphaël de la Fontaine. Ils écrivent des fables, des poèmes, des poésies. Un soir en passant dans les rues, je l'ai vu avec une guitare en bas de chez une et il chantait Bamboléo. Qui est le plus travailleur, le plus bosseur? Arrête, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt. Qui prend le plus soin de lui? Ça, c'est chez les DB, ça. Ouais.
C'est fini. Antoine, dans deux ans, c'est fini. Qui a le plus de QI football? Capitaine Jim. Qui est le plus crâneur? Les team DB là. Les DB, tous les DB moi je dirais. Tous les DB. C'est Antoine. Comment tu peux aller dans un pays faire des photos sur un avion? Et tu fais 12 photos, tes yeux ils ont juste bougé comme ça. Plus inculte. Quelle bête, le plus bête de tous. Pas de gens très intelligents quand même, sacré équipe. C'est la défense, hein, c'est des bourrins. Non, moi j'ai la défense. Qui est le plus rapide? Le plus rapide, c'est non, c'est Ritz. Ritz et Dylan. Ouais, Ritz et Dylan. Ritz. Qui a le plus la cote avec les filles? Lui qui a le plus la cote, c'est Melvin. Melvin Dormeus, numéro 55. Si quelqu'un a des soirées, il a plus de 101 meufs à inviter, moi je dis c'est Bobby. Bobby et Anto, Bobby, les deux là. Les organisateurs, eux là, si vous voulez des soirées, appelez-les. La dernière, on voit le bail. Alors, qui est le plus technique? Zizou.